C'est partout. Il y a des acteurs nationaux et territoriaux, il y a des praticiens et des chercheurs, il y a des acteurs publics et privés. On essaie de maintenir constamment ces équilibres-là, y compris d'ailleurs des tout petits acteurs, y compris des associations, des particuliers, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la FING? Je vous montre un schéma illisible. On fait à la fois des choses assez exploratoires et en avance de phase, à la fois des choses dans lesquelles il s'agit d'aller de façon empirique regarder ce qui existe. Par exemple, quand il s'agit d'ouvrir en ce moment les algorithmes sociaux, quand il s'agit de se dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer quand on va calculer nos droits pour nous, sans nous, et que peut-être il y a besoin que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans, ou quand on va s'occuper de se demander comment évaluer l'innovation à impact environnemental. Hein, c'est le référentiel Innovation Facteur 4 qu'on a fait en partant du principe que ce n'est pas parce qu'on fait des green tech qu'elles ont un impact environnemental positif. C'était une surprise pour moi, mais c'est une surprise confirmée dans le travail avec les acteurs. Et puis on fait tout un ensemble de travaux, par exemple sur la culture de la donnée, on fait tout un ensemble de travaux sur les innovations censées aider aux transformations du travail et de l'emploi, et encore beaucoup d'autres. Plus concrètement, et pour en finir avec la présentation de la FING, on travaille à trois niveaux. Un niveau grands enjeux, grande vision, changement systémique de la société. Sur la démocratie, sur les territoires, sur la ville, etc. On fait à l'autre extrême un travail autour de ce qui se joue dans les mutations humaines du numérique, et puis entre les deux, un travail de décryptage, de critique et de propositions alternatives pour la conception même des systèmes techniques, et avec des méthodes qui sont montrées ici, intelligence collective, expérimentation, mobilisation collective, et ça produit diverses choses au fil des années. Donc ça a produit des résultats, ça a produit des outils que parfois on utilise tous les jours. Les ENT qu'on utilise dans le scolaire et le supérieur sont issus de nos travaux de 2002. Et de ce qui en est sorti derrière avec en 2003 le schéma directeur des environnements numériques de travail. Ça donne encore pas mal d'autres choses. Je ne vais pas vous embêter avec quelques points d'appui que je prends à chaque fois que j'essaie de dire de quoi on parle quand on est dans le numérique. On parle de techno, mais de techno socialisée. On parle évidemment d'économie et d'économie qui a des mutations dans plusieurs espaces. On parle évidemment de questions politiques et sociales. Et on parle, j'allais dire, surtout de la confrontation entre les dispositifs sociotechniques du numérique et les usages et pratiques qui se jouent dans le numérique, cette confrontation étant plus ou moins heureuse, plus ou moins harmonieuse. Donc je ne vais jamais faire partie des personnes qui disent « Oulala, il y a la révolution numérique, c'est formidable, c'est épouvantable ». Ça ne m'intéresse pas parce que les dispositifs sont, en général, ont des histoires longues, en général, tressent des choses assez opposées. Et dans mon point de vue, ils vont tresser du technique, du social, de l'économique, et tout ça avec des relations de pouvoir à l'intérieur. Donc ça veut dire que selon les dispositifs dont on parle, on ne raconte pas du tout la même chose quand on va regarder Twitter, quand on va regarder une place de marché de l'emploi, quand on va regarder des systèmes documentaires ou d'autres. Je me garderai bien donc de dire le numérique en soi, ça fait telle chose. Je ne dirais pas non plus le numérique, c'est un outil, puisqu'on est dans des outils qui ont des vocations et des constructions sociales et de pouvoir absolument opposés les uns aux autres. Un des points qui sera intéressant dans les discussions sur la Lab Access, mais que je ne vais pas développer, c'est un constat relativement constant de nos travaux qui dit ça se passe quand même mieux quand on raconte le numérique en articulation qu'en substitution. Ça se passe quand même mieux quand le numérique n'oublie pas qu'il y a du pré-numérique et que le tuilage entre les deux ne va pas si vite, se joue au fond sur plusieurs décennies, voire si on remonte 3 minutes en avant, sur plusieurs siècles. Et donc il y a des généalogies qui ont produit le fait que nous produisons les dispositifs numériques que nous utilisons. Il y a des lignes relativement longues et on y a travaillé à différents moments de nos travaux. Par exemple, sur un de nos travaux qui peut intéresser Lab Access, c'est ce qu'on a fait avec SoftPlace sur la question des lieux physiques et de leur transformation numérique. Et quand je parle des lieux physiques, je ne parle pas seulement des lieux dont on peut parler avec la médiation, les tiers-lieux, le coworking, etc. Mais de l'ensemble des lieux du territoire, puisqu'au fond, dans mon analyse, les lieux de culture, les lieux de commerce, les lieux de services publics, les lieux d'éducation ou encore les lieux de travail connaissent un ensemble de transformations numériques,
dont la plupart n'aboutit pas à leur disparition. C'est donc une question globale de comment s'agencent les lieux sur les territoires dans un monde traversé par le numérique. Pour aller vers le sujet Capacity, en fait, et avant d'y arriver, une des choses qui nous anime dans un ensemble de nos travaux, c'est de dire, mais au fond, on a souvent un récit d'un numérique instrumental. À beaucoup de reprises, on s'est rendu compte que le numérique qui nous intéresse, c'est un numérique qui relie et c'est un numérique dont on peut s'emparer. Et donc, pas n'importe quel numérique, mais potentiellement, on avait pris l'exemple dans l'un de nos travaux qui s'appelait « Plus longue la vie » il y a quelques années, de ce qui se passait quand vous collez du numérique sur le segment senior, ou pour le maintien à domicile, ou pour etc. Il se passe des choses au fond assez épouvantables, c'est-à-dire qu'on vend des apps, on vend tout un ensemble de produits, on vend des produits du maintien à domicile, etc. Et on utilise relativement peu, comparativement, les capacités de lien, de voisinage, de sociabilité, de proximité que d'autres dispositifs numériques pourraient proposer. On avait produit des travaux autour de ça, été un petit peu plus loin dans la Manche avec des terrains avec lesquels on avait travaillé sur ce sujet-là. Et sur cet exemple-là, comme sur beaucoup d'autres, comme sur l'économie circulaire, comme sur les relations aux services publics, on a des travaux assez constants à la matière en disant bah, « en fait, on peut faire autrement ». Mais qui ne sont pas des travaux de recherche. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans un projet ANR financé par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Capacity, avec la singularité que c'est un projet dont l'ANR a accepté qu'une association pas du tout académique soit la coordinatrice, notamment parce qu'elle était bien entourée et qu'elle posait avec ses partenaires chercheurs des questions qui paraissaient valides, avec des protocoles qui paraissaient valides dans des cadres de recherche. Et donc on a engagé en 2014 ce projet sur la base assumée de nos présupposés idéologiques. Les fondateurs de la FING et l'équipe de la FING aujourd'hui trouve que le numérique, ça nous intéresse à cause du potentiel transformateur des technologies quand elles sont entre les mains du plus grand nombre. Pour la petite histoire, qui ne sortira pas de l'Internet, il se trouve que, de fait, mon camarade Daniel Kaplan et moi, qui avons monté la FING avec un troisième larron, Jean-Michel Cornu, on s'est connus dans un petit syndicat étudiant à vocation autogestionnaire, et je pense que quelque chose de ça nous a définitivement marqués. Sur les façons de dire, au fond, la société, c'est nous. Et ce n'est pas juste les grandes personnes qui font les choses pour nous, ce n'est pas juste nous en tant que contre-pouvoir, etc. Donc, j'assume ça et j'assume le fait qu'on a cette espèce de désir performatif chevillé au corps de trouver des façons dont le numérique est capacitant. On s'est enthousiasmé quand les données se sont ouvertes, on s'est enthousiasmé quand la fabrication numérique est devenue accessible à tous, et précédemment, on s'est enthousiasmé quand le numérique a permis de faire de la musique dans sa salle de bain, faire de l'édition sur un coin de table, faire tout un ensemble de choses qui jusque-là étaient réservées aux grandes personnes, aux gens qui avaient beaucoup de moyens, etc., sans pour autant supposer que tout ça construit une démocratisation au sens générique de la chose. En tout cas, on a considéré que tout un ensemble de travaux qu'on amenait apportait ça, qu'il fallait les mettre en discussion avec la recherche. On y a travaillé avec des personnes présentes dans cette salle, dont je ne vais pas vous faire la longue liste, mais en tout cas avec le copilotage direct de Pascal Plantard, que vous entendez tout au long de la journée et de l'année, et qui est au fond le chef d'orchestre de toute cette question-là, et avec le contexte extrêmement favorable du GIS Marsouin, et aussi bien sur l'enquête quantitative qu'on a pu conduire que sur les décloisonnements disciplinaires que ça a permis. On avait une expérience ensemble qui était d'avoir travaillé en 2012 sur un atelier de réflexion prospective pour l'ANR sur les sujets de recherche de demain. Le point de départ qu'on a dans Capacity, c'est cette question de fond qui est de dire est-ce que le numérique donne du pouvoir d'agir au plus grand nombre ou pas ? Est-ce qu'il accroît les inégalités ? C'est-à-dire, est-ce que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres numériquement ? Est-ce qu'il renforce le pouvoir d'agir de ceux qui en disposent déjà, qui ont déjà le capital social le plus important ?
On a tout un ensemble d'indices des distributions de la capacité d'agir. Il y a notamment les travaux passionnants sur les amateurs et les réseaux de pairs. Il y a les incertitudes qu'on peut avoir sur le fait de savoir si les Fab Labs, c'est que les Bac plus 5. Il y a au fond la question matricielle qui est de dire est-ce qu'il y a un ascenseur social numérique? Est-ce qu'on arrive à le lire seulement dans des trajectoires individuelles? Est-ce que c'est simplement l'histoire de quelques personnes qui vont aller attraper ici et là le bon tuto, le bon MOOC, les bonnes ressources et les bonnes entrées de réseau? Ou est-ce qu'au fond, on arrive à raconter une aventure plus collective de ça, sachant que tous les travaux des équipes de recherche précédemment citées insistent sur le déterminant très fort du niveau collectif? Les usages, c'est des pratiques socialisées. Le facteur clé de difficulté sociale, c'est l'isolement. Plus que les difficultés économiques, plus que tout un ensemble d'autres choses, plus que l'âge et ainsi de suite. Et donc, on s'est intéressé à ces questions collectives, on s'est intéressé aux questions territoriales, avec un jeu de questions qui est beaucoup trop long pour que je les détaille toutes, mais dans lesquelles il y avait aussi bien l'accès aux droits, la citoyenneté, les difficultés sociales. On a croisé progressivement, qui n'était pas tellement mentionné au départ, le travail social. On a aussi pu échanger avec les collègues qui avaient travaillé sur les inégalités socio-spatiales croisées avec le numérique, le projet INEDUC qui a précédé Capacity, et puis derrière une intention clé. Alors, le point de départ, vous l'avez peut-être déjà largement débattu, mais donc n'hésitez pas à me freiner, mais j'y reviens, c'est le fait que là où on converge avec Pascal, c'est que dans nos travaux, comme dans ceux qui sont conduits à Rennes 2 et à d'autres endroits, l'idée de base consiste à dire fracture numérique, c'est un terme qui ne rend pas justice à la complexité des situations. Alors, à un moment donné, j'étais un peu plus sévère en disant « arrêtons d'utiliser ce terme de fracture numérique ». En fait, il est utilisé, donc utilisons-le, mais relativisons-le. C'est-à-dire que dès qu'on raconte la fracture numérique, on suppose qu'il y a les gens qui sont dedans et les gens qui sont dehors. Et si je vous prends un exemple de sujet compliqué qui nous est arrivé en 2018, c'est l'histoire des 13 millions. Alors parfois ils sont 14, parfois ils sont 15, parfois ils sont 13, mais en tout cas, l'histoire des 13 millions de gens qui seraient en retard, qui seraient trop éloignés du numérique, etc. De quoi sont-ils éloignés ? Sont-ils éloignés de la relation à l'administration ? Sont-ils éloignés de la relation à la connaissance ? Sont-ils éloignés d'un numérique textuel, d'un numérique procédural, d'un numérique serviciel ? Ça ne me raconte rien de tout ça. Si j'essaie de vous le dire d'une façon un petit peu claire, tant qu'on est dans le paradigme du retard et des gens qui sont en dehors et des gens qui sont en arrière, on vide l'océan à la petite cuillère. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera jamais. Aucun dispositif n'arrivera jamais à résoudre cette question si elle est formulée dans ces termes-là. Mais de loin, c'est pas juste on va y arriver à moitié, on va pas arriver à passer de 13 à 6 millions, etc. On va arriver à passer de 13 à 13 millions. Le compte étant lui-même une addition de carottes et de serviettes. Donc si je suis un peu plus précis encore, nous sommes tous en retard avec le numérique puisque l'approche diffusionniste, l'approche qui consiste à dire « faisons pénétrer le numérique dans le marché avec un numérique qui bouge, c'est une cible mouvante et nous avons tous des difficultés numériques. J'oserais même dire qu'on en a plus quand on a plus d'usages. Plus je vais avoir de documents numériques, plus je vais en perdre, plus je vais avoir de démarches numériques à faire, plus je vais avoir d'ennuis. Et alors qu'on a constaté dans des études assez constantes, et ça s'est révélé à nouveau dans l'enquête quantitative Capacity qu'on a faite de 1500 personnes en face à face en 2017, conduite par Marsouin Télécom Bretagne, et ben on a constaté qu'une partie des gens nous déclaraient « je ne suis pas dedans et ça me va très bien » ou « je ne suis pas dedans et j'ai choisi de ne pas en être ». On constate depuis des années de façon très constante qu'il y a des non-usages heureux, qu'il y a même des non-usagers qui sont usagés par l'intermédiaire de proches, c'est-à-dire qui sont non-usagers, qui déclarent leurs impôts en ligne, qui utilisent Wikipédia, qui font des recherches sur d'excellents moteurs de recherche, et ainsi de suite, parce que tout simplement, ils sont socialisés, et donc c'est peut-être leurs conjoints, leurs enfants, leurs collègues, leurs parents, ou plein d'autres gens qui sont les usagers, entre guillemets, pour eux.
Et donc ça, c'est une réalité assez intéressante. On a aussi vu dans nos travaux, on a eu, je ne vais pas vous faire la liste et l'énorme tableau des terrains sur lesquels on a bossé, mais on était à Brest, à Lorient et à plusieurs autres endroits de Bretagne, dans des villes, dans des classes de SECPA, dans des centres sociaux, dans des échanges ethnographiques, dans des entretiens, dans tout un ensemble de choses comme ça. Ce qu'on a constaté systématiquement, c'est qu'il y a des réalités d'usage numérique riches, y compris dans les quartiers dits difficiles, dits tous les zonages qu'on peut imaginer, qui a des réalités d'usage numérique par les seniors, qui a des réalités d'usage numérique par les personnes en situation d'illettrisme, par les personnes en situation de difficulté scolaire, par les personnes à la rue, par des personnes en difficulté avec l'emploi, etc. Pas toutes, mais en tout cas, tout un ensemble de préjugés sociaux qui dit c'est les riches s'en sortent bien et les autres n'ont pas d'usage numérique. Il faut être beaucoup plus fin que ça si on veut comprendre ce qui est à l'œuvre. Donc, un, comme tout le monde, on tombe sur les exclusions et les inégalités économiques, sociales et socio-spatiales de la société. Et à l'intérieur de ces difficultés, on va faire des constats contrastés, c'est-à-dire qu'on va faire des constats dans lesquels une partie des publics sont en très grande difficulté, par exemple avec la dématérialisation et le non-recours aux services publics, le non-recours aux droits. Et ça n'empêche pas qu'une autre partie des publics, dans d'autres conditions, vont être vraiment mis en capacité plus grande par les usages du numérique et parfois dans les mêmes, entre guillemets, catégories. Qu'est-ce qui se raconte quand, par exemple, les CAF et la CNAF nous disent, au fond, énormément de gens déclarent le RSA en ligne. Ils se racontent des réalités contrastées. C'est soit j'ai pas le choix, soit ça m'arrange terriblement, soit non, j'ai pas de difficulté particulière. Le ça m'arrange terriblement est quelque chose qui est documenté depuis très longtemps dans les publics en situation de précarité par tous les gens qui veulent l'anonymat, par tous les gens qui ne veulent pas le regard du guichetier, qui ne veulent pas les conditions de contrôle dans lesquelles ça les met de rentrer dans un espace de service public avec des gens en face, et de la même façon qu'ils ont les mêmes pratiques en allant plutôt à l'hypermarché qu'au commerce de proximité. Si je le fais un petit peu rapidement. Et d'autre part, on sait, on l'a eu comme constante dans nos travaux, qu'il y a une partie de personnes qui sont en difficulté sociale, mais qui ont de fait des pratiques numériques. On en a vu dans des centres sociaux, dans les cas, les stories qu'on pourrait raconter. Il y a celle d'un usager fréquent du Relais 59, qui est un centre social à côté de la gare de Lyon, qui avait fait cette sorte de TripAdvisor des bains-douches municipaux de Paris. En disant, dormant à la rue, hein, donc devant aller dans ces endroits-là, et en disant, là on est bien reçu, c'est chauffé, là ils sont pas aimables, là il faut montrer patte blanche, et là les horaires en ligne ne sont pas les horaires qu'on nous dit. En gros, exactement ce qu'on peut dire quand on sort d'une chambre d'hôtel un peu moisie ou qu'on est bien accueilli dans une chambre d'hôte un peu sympa. Et donc voilà, les questions auxquelles on a été confrontés, en fait, hypothèse que retard ça suffit pas nous amène aussi à dire peut-être que inclusion ça nous suffit pas non plus. Inclusion à la fin, on a contribué en 2005 au groupe d'experts européens, d'où est sortie la déclaration de Riga en 2006 qui disait on arrête avec fracture et on dit e-inclusion. Et au fond, e-inclusion est toujours quand même aspiré par le i. Il y a toujours quelque chose là-dedans, et puis certains acteurs m'ont dit, au fond, on conteste le i, on conteste l'inclusion. Donc c'est un couteau sans lame auquel il manque le manche. Du côté inclusion, ce qui pose problème, c'est ce dedans-dehors, qui est jamais si simple, etc. Et derrière ça, on reste dans une approche qui a deux défauts. Un défaut qui est celui de la voiture balai. Quand est-ce qu'on arrive à se dire, pour les concepteurs du numérique, quels qu'ils soient, les questions sociales sont la voiture de tête, sont la locomotive. Si on arrive à résoudre celle-là, ça va mieux pour tout le monde. Et donc, arrêtons de nous dire comment on aide les 13 millions.
focalisons-nous sur le fait que travailler avec les 13 millions, c'est travailler avec tout le monde. Et puis, l'autre chose, vous avez largement parlé d'autres sujets, c'est est-ce qu'on arrive à poser les questions vraiment en termes de capacitation? Alors, je vous donne quelques petits constats et analyses de capacity auxquels on est arrivé. La première, je l'ai déjà mentionné, c'est-à-dire que dans tous les terrains, avec toutes les personnes qu'on a croisées, la problématique de l'isolement a été une problématique clé, une problématique absolument déterminante. Je ne suis pas socialisé, je n'y arrive pas. Il y a des pratiques riches du numérique à l'adolescence, pas parce qu'ils sont nés dedans. Un peu cette approche extrêmement encombrante des digital natives qui correspond à une réalité très très incertaine et souvent contestée, mais parce que l'adolescence est un âge de sociabilité forte et que les endroits où il y a les plus grandes difficultés, ça peut être par exemple les familles monoparentales, ça peut être par exemple tout un ensemble de situations d'isolement ou d'enclavement social ou d'ailleurs géographique ou d'ailleurs de toutes sortes. Et puis la question d'un numérique capacitant, ici on est aussi juste à côté de nos amis de MyHumanKit, hein, qui sont accueillis chez Ascoria, Hugo Bain va passer tout à l'heure. Et en fait, dans les échanges qu'on a, entretiens lourds qu'on a eu avec eux, interventions qu'ils ont faites à notre séminaire final, etc., on voit des traces assez passionnantes d'un numérique qui construit du pouvoir d'agir. Et qui construit du pouvoir d'agir parce qu'il va permettre à des personnes en situation de handicap d'être en situation de conception, de réponse à leur situation de handicap, voire à celle des autres. Et en fait, ces échelles qui sont montées, on l'a vu par exemple avec Nicolas Huchet lui-même, cofondateur de MyHumanKit, on l'a vu avec l'intervenant qu'on a vu, Nicolas Poussin, qui est tétraplégique quasiment, enfin qui est en tout cas en fauteuil très lourdement handicapé et qui aujourd'hui est en situation de prototypeur de dispositifs et d'outils qui peuvent intéresser d'autres gens. Ça fait 26 ans de pratique numérique qu'il a et depuis l'âge de 6 ans. Et il dit c'est 26 ans de bonheur. Donc il y a un truc assez particulier parce que dans ses relations à la connaissance, dans la capacité à bosser, dans tout un ensemble de choses qu'il a pu avoir, ça nous aide. Si j'arrivais à donner ma conclusion partagée, déjà débattue avec l'équipe du projet de ces travaux pour aller vite, c'est le fait qu'on a rencontré au fil de nos travaux un ensemble de conditions élémentaires de la capacitation que j'énumère ici très rapidement et que je peux vous détailler un tout petit peu plus. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'estime de soi et de la reconnaissance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la socialisation, et c'est quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance et de l'apprentissage. Donc si je les prends dans l'ordre, estime de soi, nous avons un numérique qui nous met en capacité ou qui nous détruit de la capacité parce qu'il nous renforce dans l'estime de soi ou il détruit notre estime de soi, il nous humilie. Quand par exemple j'échoue dans une démarche administrative ou j'échoue dans le maniement d'un outil technique, je vais facilement dire c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, j'abandonne, je lâche, faites-le à ma place et ainsi de suite. Alors qu'on a vu tout un ensemble de victoires progressives rencontrées par des gens en grande difficulté sociale et qui ne savaient pas qu'elles sauraient faire. C'est extrêmement riche avec des personnes en situation d'illettrisme, c'est extrêmement riche avec des personnes qui sont, on l'a vu par exemple, notre collègue Véronique Lechêne avec des travailleurs en situation de handicap mental dans des ESAT, qui au départ pensent que, et leur environnement aussi, leur patron, leur famille, pensent qu'ils ne valent rien, et grâce au fait qu'ils arrivent à tirer le fil de quelque chose qu'ils arrivent à faire, s'enhardissent et arrivent à en faire d'autres. Et en fait, la plupart du temps, ce qui se joue pour cette première dimension, c'est de baisser la marche à l'entrée et d'avoir des ambitions atteignables et d'arriver à avoir cette consolidation qui, évidemment, est quelque chose qui, quand je la raconte depuis le numérique, n'est pas si banal. Quand je la raconte ici, dans un environnement du travail social, avec des démarches professionnelles qui ont intégré des choses très voisines depuis longtemps, devient beaucoup plus ordinaire. Et c'est là que ça va nous amener, d'ailleurs. La socialisation, j'en ai parlé. Les gens qui ne s'en sortent pas, on a une énorme différence dans nos terrains entre des conditions dans lesquelles
Je m'en sors pas, mais je sais à qui demander, donc je m'en sors. Et comme je sais à qui demander, qu'on sait me demander aussi quand on ne sait pas, c'est le cas de figure de bénéficiaire d'accompagnement ou d'usagers de centres sociaux numériques, on en a dans le 19e qu'on a beaucoup étudié, qui vont nous penser qu'ils ne savent rien faire, se rendre compte qu'ils savent faire des choses et se retrouver en position de bénévole pour en aider d'autres. Donc progressivement, cette socialisation est quelque chose d'assez riche. On a même un constat très bizarre sur les systèmes d'exploitation utilisés. Je vous donne trois exemples, c'est une fausse digression. Premier exemple qu'on a pu rencontrer avec les élèves de SECPA que notre camarade Yann Guéguin a pu étudier dans ses travaux, en collège, utilisant des iPads, et c'est important que ce soit des iPads. C'est de l'Apple, et à un moment donné, ça marche, c'est valorisant, c'est brillant, une espèce de renforcement symbolique qui se joue derrière ça. Autre exemple que j'ai croisé à plusieurs reprises dans les travaux, mais un des exemples les plus sympas, c'est des gens de Mediagraph à Nantes qui accompagnent beaucoup de seniors dans l'appropriation numérique. Et en fait, à un moment donné, Mediagraph a dit, moi j'aurais préféré mettre du Mac parce que c'est plug and play, c'est fastoche, etc. Mais en fait, les seniors, quand ils vont rentrer chez eux, leur famille, c'est Windows. Donc les enfants qui peuvent les aider, etc., c'est Windows. Troisième exemple, la STS, excellente association sur la dalle d'Olympiade à Paris. Mehdi Serdidi, il dit, bah non, non, moi j'assume que c'est du Linux et j'assume qu'y compris avec des personnes en situation de difficulté sociale, eh ben, je vais leur expliquer comment la machine fonctionne et puis je vais leur faire une install Linux et puis ça va tenir plus longtemps. Et nous assumons ça depuis longtemps, c'est une asso qui marche bien, il y a du monde, ils sortent contents, ils sortent renforcés, parce que notre entrée, c'est la culture scientifique et technique. Donc, on estime que les gens... Et voilà, vous voyez, on arrive à des trucs vraiment importants, à réchauffer l'atmosphère. Donc, eux, ils assument le fait que dans leur démarche, compte tenu de leurs valeurs et de leur ethos et de leur approche professionnelle, ils doivent expliquer, y compris à des gens qui en seraient plus loin, comment fonctionnent les machines qu'ils utilisent. Et j'ai retrouvé cette. Donc, et les trois fonctionnent, Linux, Windows, Mac fonctionnent, mais avec à chaque fois un choix déterminé de long terme qui a été fait, qui est aligné avec les valeurs et comme dirait en alignement axiologique, comme dirait Pascal, avec ce que portent les structures en question. Oui, c'est bien. 5 minutes, c'est énorme. 5, ça peut faire 10. Non, et 5, ça fait déjà, ça fait 300 secondes. Non, mais il m'en a pris plusieurs déjà. Troisième étape, c'est l'apprentissage. Les deux sont passés en lien, c'est-à-dire que par exemple, le fait d'aller apprendre en ligne, entre autres choses, l'autodidaxie, on sait, nos collègues en sciences de l'éducation le savent mieux que moi, c'est des pratiques socialisées. C'est extrêmement rare qu'on sache apprendre tout seul. Il faut déjà avoir sérieusement appris à apprendre pour apprendre tout seul. La plupart du temps, on apprend. Aussi parce qu'il y a des communautés épistémiques, il y a des communautés d'apprentissage qui vont apprendre à se gourer ensemble. On le voit dans les métiers, on le voit dans tout un ensemble d'endroits. Si j'essaie de me débrouiller tout seul avec des informations qui sont là, si je vais un tout petit peu plus loin, le self-service, c'est à peu près la situation la plus inégalitaire qui soit et la plus clivante entre des gens qui ont un capital social ou un capital culturel qui peuvent se servir tout seuls de l'information en ligne et ceux que ça va mettre en difficulté. Et cette question du self-service, c'est vraiment une question qu'on voit sur la connaissance. C'est pas parce que l'info est là que je vais savoir trouver la bonne, c'est pas parce que l'info est là que je vais savoir la filtrer, c'est pas parce que l'info est là que je vais savoir si je peux lui faire confiance. Ça, c'est le Big Ascoria Band 10 jours, mais ça me réjouit de pouvoir parler en musique. Ouais, moi, je suis invulnérable à tout ça. Donc, espérez même pas me déstabiliser. Si je raconte ça en matière d'un travail.
dont on n'est pas encore content, mais que je peux quand même vous partager, c'est la question de dire, au fond, en le situant, en ayant plein d'exemples d'un numérique capacitant et incapacitant sur chacune de ces lignes, on peut raconter tout un ensemble de facteurs et de degrés et de situations dans lesquelles on observe une mise en capacité ou une incapacitation sur ces différentes dimensions. Et par exemple, sur des sujets qui vous intéressent de près dans le Lab Access avec les questions d'accès aux droits, et ben, vous pouvez avoir une partie des dispositifs de dématérialisation qui sont capacitants pour une partie des publics. Et donc, ça veut dire que les gens pour qui les horaires, c'est une situation épouvantable, donc ça les arrange terriblement de ne pas prendre une demi-journée de boulot pour aller faire la queue, etc. Mais les mêmes personnes, peut-être, dans d'autres situations, par exemple dans un événement de vie où il faut que je parle à X administration, où il faut que je gère une charge émotionnelle forte, où il faut que je. Etc. Là, le numérique va être clairement incapacitant potentiellement pour une partie des personnes. Donc, on ne va pas essentialiser les situations des publics, mais en revanche, en regardant les choses de façon située, on va voir des situations dans lesquelles le numérique est capacitant-incapacitant, et on va voir des dispositifs qui sont plus ou moins capacitants, et on va voir, si on va un tout petit peu plus loin, la terminologie à laquelle on est arrivé à la fin du projet, c'est celle de configuration. Il y a des configurations capacitantes ou incapacitantes. Il y a des configurations qui peuvent y compris être des configurations en ligne, des configurations spatiales, des configurations organisationnelles. Je vous en prends un tout petit exemple. Pour une partie des publics qu'on a rencontrés, le fait d'aller dans un espace où il y a du monde, ça peut être intimidant. Le fait d'y aller dans des périodes où il y a du monde, mais qui sont un peu des moments ouverts, où il n'y a rien de précis de prévu, ça peut être moins intimidant que d'être dans des moments normés où je vais aller apprendre et être dans l'atelier qui fait trois petits points. Et donc, parmi les personnes qu'on a rencontrées, il y a des personnes qui vont dire prévoyez pas trop, parce que je viens à condition qu'on ne me demande pas grand-chose. Et donc, on a un ensemble de tensions. Au-delà des trois premiers que je vous ai déjà un petit peu détaillés et qui ont à chaque fois des gradients, c'est-à-dire que dans la connaissance, on peut aller jusqu'à la contribution, jusqu'à la micro-contribution, la contribution, savoir qu'on peut corriger une page Wikipédia, savoir qu'on peut rajouter un point sur la carte, savoir qu'on peut partager une photo, savoir qu'on peut produire un tuto. C'est des choses assez considérables. Et en fait, une question qui va se poser, c'est est-ce que l'écart est si grand entre des gens qui pensent qu'ils ne savent rien faire et des gens qui peuvent entreprendre des projets? Si on, pour avoir un peu de terrain en ce moment en dehors de France et constater que quand, par exemple, on travaille avec l'AFD et au Maroc sur différents sujets, on trouve des personnes en situation d'illettrisme qui sont des entrepreneurs qui font du business en utilisant leur smartphone, et ça se passe bien. Donc, chez nous, au fond, l'économique et le social sont tellement séparés qu'on va supposer qu'une personne en difficulté sur certains aspects sociaux ne va rien savoir faire sur les autres. Nous savons qu'une partie du temps, les porosités sont plus grandes, et donc la question de savoir si je peux monter les marches, arriver jusqu'à m'exprimer dans la cité, arriver à construire du pouvoir de faire avec le DIY, la fabrication numérique, etc., arriver à faire des choix de transition professionnelle, etc. C'était un petit peu l'horizon du projet. On n'est pas allé jusque-là, c'est-à-dire qu'on a constaté que les terrains sur lesquels on est étaient très riches sur le début de parcours. On a touché néanmoins le quatrième point qui va nous intéresser sur la dimension territoriale, qui est le point de la mobilité géographique. À pas mal d'endroits, ça a été vrai sur l'Orient, ça a été vrai sur Brest un petit peu et à d'autres endroits, on a constaté que peut-être l'environnement géographique, par exemple de jeunes qui se sentaient assignés à leur quartier, qui ne bougeaient pas beaucoup, qui n'en avaient pas les moyens, etc., leur monde grandissait un peu, ce qui était pas mal. En tout cas, le lien assez fort entre une relation au territoire dont je ne sors pas, sinon je perds mon ancrage, et une capacité à aller voir plus loin qui potentiellement peut m'ouvrir des nouveaux horizons. On l'a vu, quand on se parle de se projeter, d'entreprendre, ça veut dire y compris monter des associations, etc. On a trouvé dans nos terrains des gens qui pensaient qu'ils ne
valait rien et ne savait rien, mais qui avait des pratiques sur YouTube, qui avait des pratiques musicales en ligne, qui avait tout un ensemble de choses. Donc le fait d'arriver à leur tendre le miroir de ça peut les enhardir. On a trouvé des gens qui vont avoir des usages assez copieux du bon coin pour tout un ensemble d'usages sociaux, etc. Et puis progressivement, on a eu une partie de nos échanges qui nous ont amenés à discuter avec les gens qui traitent des questions de pouvoir d'agir, mais depuis des entrées démocratiques, depuis des entrées alors parfois ancrées en politique de la ville, etc. Et en disant, bah, dès que vous rajoutez du numérique là-dedans, si vous ne travaillez pas sur les conditions de base, le numérique va plutôt être un empêchement. Vous allez créer des nouveaux sans voix. Si vous arrivez à hybrider, ça sera moins grave. Si vous arrivez en revanche à construire des conditions capacitantes grâce au numérique, ça va aider. Dernier mot, c'est ma dernière minute, pour récapituler quelques points sur les relations territoriales. De ce qu'on a pu remarquer, en fait, quand on parle de territoire, on ne parle pas de la même chose quand on va parler de la relation aux institutions du territoire, quand on va parler des organisations humaines du territoire et quand on va parler des espaces et des temps du territoire. Ce qui peut être pertinent, c'est de se poser la question des espaces et des temps, c'est-à-dire pas seulement des mètres carrés, mais aussi du chrono-aménagement du territoire, mais aussi du fait de se dire à quel moment des espaces donnés peuvent donner lieu à des temps différents dans un même lieu et comment est-ce que ces temps vont permettre des brassages. C'est-à-dire comment est-ce qu'au fond, le numérique peut aider, peut avoir une petite contribution à ce que les espaces soient programmés un peu autrement. Les espaces n'aient pas que des temps complètement assignés et complètement dédiés. Et comment est-ce qu'on arrive à déprogrammer les programmations institutionnelles classiques des espaces existants pour les reprogrammer en fonction d'usages sociaux et d'usages sociaux ouverts. Ça, c'est mon premier point. La deuxième chose en découle, c'est-à-dire que une partie du sujet de la dématérialisation, c'est est-ce qu'elle permet de renforcer les proximités. Ça peut paraître paradoxal, mais dès lors que les services... Quand on faisait, dans les années 90, les premières maisons de services publics de la data, elles étaient inopérantes parce qu'elles n'étaient pas connectées. Elles pouvaient être connectées, mais elles n'avaient pas accès aux dossiers des gens et au fond, elles n'étaient pas à jour par rapport à ce que la préfecture ou le ministère pouvaient dire. Aujourd'hui, la dématérialisation permet d'avoir en proximité la relation à la personne, le dossier de la personne, l'analyse du cas précis, l'environnement qui va avec, etc. Ça pose des nouveaux problèmes, notamment les énormes problèmes de privacy, les mêmes problèmes liés aux identifiants numériques des personnes, la perspective de France Connect aidant va peut-être permettre de lever, mais on n'y est vraiment pas encore. Il faut, entre guillemets, 6 mois avant d'avoir cet outil-là, mais c'est 6 mois glissants, nous allons dire. Et donc, l'hypothèse de se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'abord une fracture administrative et d'abord une fracture servicielle, c'est-à-dire notre incapacité de relation à l'administration qu'on ne comprend pas pour des tas d'autres questions de vocabulaire, de conception de systèmes techniques, etc. Et notre difficulté des relations de service dans un monde où nous sommes des profils sur pattes auprès de tout un ensemble de gens qui nous demandent des logins et des mots de passe, ce qui d'ailleurs condamne les accompagnants et les médiateurs à avoir des petits carnets papier avec les mots de passe, c'est quelque chose qui renouvelle un peu les termes de la question. Je fais systématiquement le test, je pose dans 100% de mes relations avec les médiateurs numériques cette question, est-ce que vous stockez des mots de passe sur papier? 100% me disent oui. Et l'un d'entre eux m'a dit oui, et en plus je suis le référent RGPD de ma commune. Autrement dit, oui, et je suis très au courant, et j'ai vraiment pas le choix, parce que j'accompagne les gens. Donc c'est pas que je suis pas au courant, c'est pas que je suis une buse, c'est pas que j'ai pas le temps de m'informer, c'est je sais. Et puis, les deux autres points, je vous les ai mentionnés, donc je suis pas plus long, sur cette tension, en fait, entre l'ancrage territorial et l'émancipation du territoire. Qu'est-ce qui est capacitant, en fait? C'est de pouvoir se relier davantage à un territoire dans lequel le numérique est parfois un renforcement du maillage social,
peut parfois aider le décloisonnement de structures proches, aider la mise en visibilité de services invisibles, aider à la réflexivité, etc. Ou faire le contraire. Le miroir du territoire, on a une de nos étudiantes à qui j'ai fait faire ce travail RN2 sur Villejean, l'image de soi du territoire est une image qui peut être dégradée par ce que le territoire raconte de lui-même. Et qui demain pourra être encore plus dégradé quand, comme dans d'autres pays, nous aurons de façon beaucoup plus flagrante les zonages qui nous sautent aux yeux, l'accessibilité à pied qui nous saute aux yeux, qui est évidemment beaucoup moins bonne dans les banlieues configurées pour la voiture, la violence qui va être localisable au point près, c'est-à-dire qui sont les violeurs et les assassins dans le périmètre direct où je vais m'installer avec ma famille. Ça va être super sympa, je vous le garantis. Donc il y a aussi quelque chose de ça qui m'amène en fait à considérer progressivement les approches du territoire comme assez proches de la lecture qu'on peut avoir autour des personnes. L'image de soi du territoire, sa capacité de maillage avec le reste, et au-delà, la question de la résilience du territoire. C'est-à-dire, si on a besoin si on arrivait à se demander ce que c'est qu'un territoire capacitant, c'est une question qui m'intéresse, mais qu'est-ce que c'est qu'un territoire résilient ? C'est certainement un territoire qui est capable de construire ses sociabilités, de construire et d'entretenir ses liens, construire ou de renforcer tout un ensemble de choses qui sont au fond fondées sur ces réalités humaines. Voilà, j'en dis pas plus.